The Lost Room. The Lost Room, alors c'est une série pas vraiment connue, je connais pas beaucoup de personnes qui la connaissent. C'est une série de sci-fi de 2006. C'est une mini-série de 3 épisodes. Il y a dedans les personnages principaux, Peter Krause que vous connaissez de Six Feet Under, et Julian Margulies que vous connaissez d'Urgence, mais aujourd'hui qu'on connaît dans The Good Wife. La petite fille est jouée par la petite sœur de Dakota Fanning, qui s'appelle Anne Fanning. Elle Fanning. Elle Fanning. Série sci-fi, 10 séries. Fantastique. Donc on est dans le fantastique, on n'est pas dans la science, dans la science-fiction. Ça date pour moi, je sais pas trop comment ça a démarré, mais je sais que Peter Krause se retrouve en la possession d'une clé qui ouvre une porte à une pièce étrange, une chambre d'hôtel. Et dans cette pièce, on peut ouvrir, si on rentre à l'intérieur et qu'on ferme la porte, et qu'après on rouvre la porte avec la clé ou sans la clé ou je sais pas quoi, on arrive à ouvrir une porte à un autre endroit. Et il a une petite fille, et je sais plus par quel concours de circonstances fait que sa petite fille rentre dans la pièce du motel, mais sans la clé, la porte se ferme, et quand il rouvre la porte, sa fille a disparu. Donc en gros, c'est un monsieur qui cherche sa fille pendant 3 épisodes. Il se rend compte qu'il y a une espèce de société secrète qui veut rassembler plusieurs objets. Il n'y a pas que ses clés, il y a aussi d'autres éléments, je ne me souviens plus vraiment lesquels. Je crois qu'il y a un appareil photo, il y a une boîte à cigarettes. Chacun de ces objets ont des particularités mortelles, ou qui donnent des pouvoirs, ou qui apportent de la chance. Et donc il y a une espèce d'organisme qui veut récupérer, un peu sectaire, un peu fanatique, qui veut récupérer tous ces objets parce qu'il pense que tous ces objets appartiennent à Dieu. Voilà. Il pense que c'est la chambre de Dieu, que ce sont toutes ces affaires qui sont là, et il faut les rassembler parce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et à côté, il y a aussi une groupe de mafieux, ou de terroristes, ou de vilains gaillards qui veulent récupérer tous ces objets pour gouverner le monde, je sais pas quoi, faire des trucs de méchants, gros. C'est une série qui a du bon suspense, l'histoire est très intéressante, elle est très originale, on est vraiment tenu pendant 3 épisodes pour avoir la résolution à cette histoire-là, et surtout qui récupère sa fille. La relation entre Peter Krause et Julian Margulies, je crois qu'elle est vaguement romantique, hein. Évidemment, il ne faut pas s'en empêcher. Ça date vraiment, hein, j'ai très peu souvenir de cette série. Il y a de très bons personnages secondaires. Donc The Lost Room, c'est une petite série que vous pouvez regarder une après-midi, un dimanche, vous n'avez rien à faire. Si vous voulez, allez-y. Ce que je peux vous dire de plus. Non, faut que je fasse un truc mieux. Non, bah non. D'accord, voilà. Non, mais j'imagine trop le genre de série que ça doit être. Bisous. Qu'est-ce que je voulais faire? Le chat va bien, voulez-vous que je vous donne des nouvelles? Écoutez.